Allez, salut à tous les amis, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Desert City. Oh yeah! Sur Tarantule, vous m'avez déjà proposé des noms assez sympas. D'ailleurs, en parlant de Desert City, c'était un jeu de mots d'ailleurs, je crois, il me semble. J'ai oublié ce que c'était, mais je vous dirai, enfin je re-regarderai les commentaires. Bon là ça fait peut-être un peu trop tôt, j'ai eu encore très peu de noms pour l'instant. J'en ai eu 2-3, mais voyez, c'est pas suffisant. Bref, alors déjà je rappelle l'intérêt de cette ville, hein, le but concret, hein, pour le but dans le que j'ai suivi. Enfin, non, j'arrive pas à parler. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? Et pourquoi ça fait un vieux flou immonde? Pourquoi le jeu floute? Oh, c'est étrange ça. Vous voyez, il y a une zone qui est floue. C'est flou. Ou alors c'est fait exprès, je m'en suis jamais rendu compte. Non, c'est flou, c'est étrange. Ouais, c'est bizarre, quand je me rapproche, c'est flou. Bref, on s'en fout. Donc cette ville a pour but, voilà, j'ai enfin trouvé de produire de la richesse, autrement dit d'accueillir toutes les industries les plus polluantes, et bien sûr aussi de produire de la richesse, mais des ressources précises, mais pas en les forcément en les extrayant, enfin les... Oui, en extrayant les ressources directement sur cette ville, mais en les important pour faire marcher le mécanisme des importations. Puisque c'est vrai qu'on se dit, ouais, mais on va payer et tout. Oui, mais si vous importez et que vous assemblez par exemple dans votre ville des processeurs et que vous les revendez, bah, ça vous fait quand même du cash en nombre. Puisqu'au final, les processeurs, ça rapporte beaucoup. C'est un exemple, bien sûr. Oui, alors j'avais construit une mine de charbon, puisqu'on avait quelques. On avait du gisement de charbon. Juste ici, bon je l'ai mis au milieu d'une zone résidentielle mais c'est pas très très grave. Si vous voulez faire de cette ville un haut lieu de l'exploitation minière, il vous faut un siège métal. Non, je veux dire non merci parce que effectivement ce n'est qu'un tout petit gisement. Pareil ici on a quelques gisements de minerais, hein, pas de charbon, de minerais simplement. Et c'est pas, enfin voilà c'est pas non plus, attendez je vais vous montrer. C'est pas extraordinaire, vous voyez charbon il y a ça. Et minerais il y a ça, voilà. Histoire juste de me faire un peu d'argent au début pour développer la ville. Mine de rien, on est quand même à 100 000. Hein. Alors, ce serait cool qu'aujourd'hui, on commence effectivement à commencer le projet archéologie. Alors, dans la vidéo précédente, j'étais là, archéologie, le projet archéologie. Truc qui voulait rien dire, non, c'est archéologie. Mais il me faut 1 million de simflouz. Qu'est-ce qu'ils me veulent là? Richesse améliorée. Ah oui, non. Ici, on a que des pauvres, hein, pas de population aisée, tu m'excuseras très cher. Vous voyez quand même que la demande, j'arrive à maîtriser la demande. Bon, bien sûr, la demande... Ah non, quoique la demande de population aisée est super forte. En fait, j'ai toutes les demandes... En termes de population, c'est un petit peu l'anarchie en fait dans toute la région, mais c'est normal. C'est normal. Ah oui, ils veulent un lieu de culte. Ouais, je vais vous filer un lieu de culte, ça je peux pas vous le refuser. J'ai un espace ici, bah tiens, c'est parfait. Je vais le construire là-dessus. Ouais, voilà, je vais le construire là-dessus. Bon, désolé, je vous ai pété vos baraques, mais j'étais obligé. Alors, bien sûr, pour construire un lieu de culte, on va se rendre juste ici. Bon, par contre, je sais pas quoi choisir. Peut-être une... Ah, merde, j'ai pas la place. Ah, flûte... Attendez, si je... Éventuellement, si je... Ah, repasse pas les routes. Voilà, là, si je force, normalement, c'est bon. Culte... Non, même pas! Oh, vous êtes sérieux? Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Ici, on va foutre... des habitations. C'est con, on perd un peu de place ici, mais tant pis, c'est pas très grave. Bon, résultat, le lieu de culte, je vais le foutre là, dans cette zone. Bon, bien sûr, j'améliorerai les routes, puisqu'il faut quand même qu'on ait un peu plus de densité, si on veut augmenter la population. Ce qui est logique, finalement. Alors, on va foutre un... Putain, mais c'est énorme, ce machin! Ouais, c'est gros. Alors, on va le foutre là. J'ai mis un temple.
temple bouddhiste. Voilà. Mais attendez, ce que je vais faire, c'est qu'on va directement améliorer les routes, j'ai les moyens. Ça va pas être super amusant, mais comme ça on aura direct... On aura direct plus de densité. Je vais rajouter, comme j'ai fait dans les villes précédentes, c'est-à-dire à Power City et à Petrol Town, des petits parcs et des petits barbecues. Ce genre de choses, histoire de favoriser un petit peu le bonheur et à terme d'augmenter la densité. C'est tout con. Voilà. 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 Allez, on fait juste ce côté-là. Parce que ici, je sens que c'est... Je sens que ça va se développer. Alors, je me suis pas encore posé la question. Enfin... dans quelles ressources j'allais me spécialiser réellement. Donc, franchement... Je me disais, vu que bon, on a un peu de charbon et de minerai, pourquoi pas faire une fonderie, se spécialiser dans l'acier éventuellement, peut-être le plastique aussi, les déchets, et puis, enfin voilà, voyez un peu dans quoi dans quoi on va se diriger, mais ce serait cool quoi, vraiment ce serait sympa. Alors, donc, ouais, on va améliorer un petit peu tout ça, ouais, parce que c'est pas génial, hein. On a des petits, bon, hop, petits parcs, ouais, les petits barbecues. Les barbecues. Et allez, voilà, que ça leur fait plaisir. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai cliqué. Oui, barbecue, tu vires. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi c'est le malheur, là? Allez. D'ailleurs, le temps ne passe pas assez vite, hein. S'il vous plaît, nous sommes année 1. Ouais, par contre, ça prend pas la même, même période que la région. Bon. C'est étrange. 84 tonnes. Ah oui, c'est vrai, on a déjà des problèmes de... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, école. Je suppose que c'est... Certains jeunes de cette ville ne sont pas scolarisés, mais une ville voisine possède un lycée où ils pourraient... Et où ils pourraient aller. Il nous faut juste des arrêts de ramassage scolaire. Ah ouais, je ne savais pas, d'accord. Oh, mais c'est génial, ça. Ah bah, voyez, on va faire ça direct. Hop, 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 hop. Bon, si, on va quand même laisser passer le temps. Ah, super, je ne savais pas. Voilà la technique. En fait, si vous voulez que vos Sims aillent étudier dans une autre ville, il suffit de laisser... Enfin, de mettre des arrêts de bus. De ramassage. Pardon, pas des arrêts de bus. Voilà. Ah bah écoutez, tout ça c'est parfait. C'est une grande nouvelle. Ah non, franchement c'est superbe. C'est superbe. Voilà. Et voilà. Et voilà, et résultat, bah, les Sims pourront aller étudier. Bon, par contre, niveau santé, ouais, c'est assez limite. Il faut quand même que je mette une petite... voilà, mettre là, tiens. La case est ici. Petite... hop, clinique. Ah mince, attendez, je crois que j'en ai déjà installé. Oh, quel boulet. Mais quel boulet. Là, je viens de perdre un max de thunes. C'est pas grave. C'était pour détruire ça. Ouais, là, c'est un petit peu la... La maxi catastrophe. On va rajouter des lits. Voilà, 10 morts par jour. Ah ouais. Bon bah je vais rajouter des ambulances. Ça coûte cher cette connerie mais... Ah oui, je vais pouvoir construire un port. J'ai trop envie d'aller à l'émancipation. Ah non, on centre d'exposition. Non, pas dans cette ville, voyons. Voyons. Ah oui, les pompiers aussi, ça commence. Bon, évidemment, vu qu'on est dans une ville industrielle, vaut mieux construire une caserne de pompiers, hein. Que l'on va foutre. Enfin, qu'on va foutre là, hein, à l'entrée de la ville. Allez hop, bien sûr, on met la cloche, le petit drapeau, la petite pancarte qu'on ne peut pas mettre. Et on va rajouter un truc à 15 000. Voilà. Bon, au niveau service public, on est parfait. L'industrie, ça va, ça se développe. Les marchandises reçues rapportent gros. Oh oui, je sais, ça rapporte gros. Bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Mais oui, mais alors comment les marchandises... attendez, si je fais ça, marchandises.
conseillère machin. Tarantule a des marchandises mais manque de magasins pour recevoir les expéditions de marchandises. Utilisez le mur de la région pour demander à vos villes voisines de créer plus de zones commerciales. Ouais d'accord. Pour écouler, il nous faut plus de zones commerciales. Ok, j'en prends note. Bon, pour l'instant, on va aller dans spécialisation. Je peux faire un siège métal, ouais, non, j'ai pas envie. Donc je ferai une... Ah, quoique si, j'en ferai pour faire la fonderie. Ici, en fait, je vais peut-être faire un siège métal. Mine de charbon avancée, non, ça c'est pas utile. Pétrole, non. Commerce, ou en français, je commerce déjà pour avoir un port commercial. Essayer de faire des processeurs, ouais, on va essayer de faire ça. Ça va être vraiment une grosse ville industrielle. Ici, en tout cas, je pourrais mettre des ports. Ça, c'est cool, ça. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de se focaliser sur les minerais. Et pourquoi j'ai plus d'argent? Ah oui, ça, c'est les services publics, effectivement. J'ai assez. Bon. Écoute, on va faire un siège métal. Siège métal, puisque je compte faire une fonderie. Sauf qu'il va me falloir beaucoup d'entrepôts commerciaux. Quoique, attendez. C'est où commerce. Un port commercial, ça vaut 58 000. Ah, ça a beaucoup de capacité. Le problème, c'est que je crois que j'ai construit un petit peu trop près. Permet d'importer, d'exporter, de stocker des ressources ou les marchandises. Les grands lieux de stockage permettent de stocker 10 fois plus que l'entrepôt commercial. Ah ouais, ça, il me faut un port commercial. Il me faut un port commercial. Sauf que je vais devoir virer une zone, sans doute. Ça coûte combien? 58 000. Ok, bah on va économiser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il me demande, lui? Il y a de la ruine. Voilà, il n'y a plus de ruine, il n'y a plus rien. Alors, oui, qu'est-ce que tu veux? Si on a un, on pourrait faire des cailloux sans valeur de quelque chose de spécial, l'âge du métal. Oui. Oui, je vais faire une fonderie. Et je vais importer de la ressource. Mais deux secondes, d'abord, il me faut mon port commercial. Alors, éventuellement, on peut rajouter de la zone. De la zone industrielle. Non, dans l'autre sens. Bon, évidemment, tac, toi tu vas jarter, c'est pas grave. Voilà, comme ça, ici je peux quand même mettre de l'industrie et j'économise de la place. Voilà. Ah, mais j'ai une ligne de chemin de fer aussi. Oh, c'est génial ça, j'ai le train, j'ai tout qui passe ici, absolument tout. Par contre, ça c'est pas très beau, hein. C'est pas très très beau, je vais casser ça. Je vais casser ça parce que ce n'est pas... Mais qu'est-ce que tu me fais là? Allez, fais-moi un truc joli, voilà, ça c'est parfait. Et je vais pouvoir faire de la gare. Oh là 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 là, c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux? Saviez-vous que vous pouviez améliorer ce siège? Il vous suffit de vendre un peu de charbon de... Oui, d'accord. Je vends de toute façon. Bon, on va aussi s'occuper de l'exploitation du minerai un jour parce que ce serait cool. Attendez, je vais juste vérifier. Ouais, c'est juste ici. Bon, écoutez, on va mettre une mine de minerai. Allez, hop. On va... bah tiens, attendez, si on a l'occasion... On va faire un emprunt. Comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Ou alors, on peut demander des fonds. Mais non, puisque je dois économiser pour la clothing. On va prendre un prêt de 100 000. Voilà. Prêt de 100 000. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement construire le port commercial avant. Alors, port commercial. C'est dans commerce. Port commercial. Et comment ça? Mais ça doit toucher la mer, non? Comment ça, port commercial? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je vais devoir péter un truc. Bah écoutez, je vais le foutre là. Hein. Ah ouais, ça dérange. Bah attendez. Ouais, je vais être obligé. Bon, grand travaux. Je m'excuse. Désolé. Allez, hop. Voilà. Pardon, c'était pas voulu. Alors, il me faut mon port commercial. Et le port commercial n'est même pas relié à la mer, c'est ça que je comprends pas. Bon, alors, voyez, mon port commercial est juste géant. Il offre beaucoup plus de capacité de stockage. Vous avez importé et exporté par bateau, il est temps de passer au niveau supérieur. Le port commercial vous permet de changer avec le marché mondial maintenant. Connectez-vous au rail, j'ai pas vu. Je peux me connecter au rail également.
Ah, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Mais ce qui est con, c'est que c'est même pas relié à la mer. C'est ça que je trouve en bas. Bon, mince. Alors. Tac. Oh, bah tiens, je vais foutre le petit panneau. Ah ouais! Des rails qui permettent de relier la gare de train de passagers au réseau ferroviaire ou de desservir la gare de train de marchandises d'un port commercial. Attendez, j'ai rien compris. Des rails qui permettent de relier la gare de train de passagers, ouais, au réseau ferroviaire, ouais. Ou de desservir la gare de train de marchandises d'un port commercial. Attendez, ça veut dire que je peux construire... Ah ouais, une gare de train de marchandises. Mais alors, attendez, ça sert à rien que je construise là. Autant que je construise ici. Attends, j'ai peut-être fait une grosse bourde là. J'ai fait une bourde. Attendez, on va voir si je peux en construire un là. Eh oui, je peux en construire un là. Donc ça me permettrait de faire une gare. Oh, ben c'est parfait, je vais le construire là finalement. Bon, bah au pire, je peux en mettre deux, hein. Bon, ça va coûter très très cher, mais au moins j'en aurai deux. Je pourrais stocker à mort parce que là, je peux vous dire que je vais produire là. Oh là là, bon, ça me fait deux ports. Ici, je vais pouvoir ajouter du square. Bon, va falloir que j'économise un petit peu d'abord. Mais ça, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre... une gare de train de marchandises. Super. Mais du coup, ça se relie comment en fait? C'est relié à la route? Attendez, j'ai peur d'avoir fait une bourde en fait. J'ai pas assez d'influ, ça compte combien? 70 000! Ah ouais. Ça c'est quoi? Quai de cargo. Ah ouais. Ah ouais, en fait c'est plus rapide. Le train et le cargo c'est encore plus rapide. Et le cargo, je peux pas le placer là. J'ai pas assez de place. Putain, ce bâtiment est vraiment super intéressant. Mais du coup, j'ai pas assez d'influ. Eh oui. J'ai pas du tout assez de team flouze. Bah, on va réemprunter, les gars. Mais c'est ça, hein. Allez, hop, on réemprunte. Bon, je perds un peu d'argent. Enfin, je gagne moins, c'est sûr. Mais les investissements en valent la peine. Alors, ici, on va foutre ça là. Si j'ai bien compris. Mais ça n'a pas besoin d'être relié avec ça. Si j'ai bien compris. Qu'est-ce que Simex peut faire avec vous? Gare de train de marchandises. Il n'y a pas besoin de route. Attendez. Pour relier, il n'y a pas besoin de route. Si j'ai bien compris ici. Non, même pas. Non, même pas. D'accord. En fait, ouais, ça sert à rien d'en avoir construit deux. Mais si, de toute façon, j'en aurais besoin de deux, j'ai besoin de beaucoup de stockage. Il me faut un port. Mais pour l'instant, on va pas... Mais pourquoi on a prouvé division de commerce, division métal ou siège, ou un siège commerce actif dans la région. Il me faut un siège commerce. Un siège commerce... Mais j'en ai fait un siège commerce, qu'est-ce qu'il me raconte? Attendez, pourquoi je peux pas construire? D'en approuver. Ouais, ça me perturbe. Division commerce à un siège métal. Ah, ou division métal sur un siège commerce. D'accord. Bon, écoutez, pour l'instant, on va mettre des marchandises. Ça vaut une blinde. Ça vaut 20 000. Ah, allez, hop. Investissement, chers amis. Investissement. D'accord. Et... ça coûte cher, hein. Ah, je ne gagne plus que 712 par heure. Mais vous verrez. Non, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait plus de marchandises, mais ça ne servira pas. Ici, nous faut. Comment ça? Ah oui, j'ai rien pour stocker, moi. Ah ouais, c'est chiant, ça. Ici, il faut que je vire. Bah, ici, je vais virer de la marchandise, c'est pas compliqué. Non. Eh, hey, vous allez voir comment on va se débrouiller. Hop, ça tu vires. Charbon, il y en a trop.
On va mettre... c'est quoi, minerai? Voilà, stockage minerai. Voilà. Et hop, tout ça, on vend. Zou, pour l'instant. Parce qu'il faut faire du profit et il faut que j'améliore mon siège métal. Bon, ça m'a coûté très cher tous ces investissements. Je ne gagne plus que 600. J'ai peut-être fait deux ports commerciaux pour rien. Mais si j'aurai un maximum de capacité, j'ai une gare de marchandises, je ferai peut-être un port. Mais là, pour stocker toutes les ressources et les vendre, vous inquiétez pas, j'enlèverai les marchandises. Non. Ouais, ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment cool. Vous voyez que quand même la densité se développe. Ouais, les Sims commencent à être instruits. Ah bah ici j'ai pas amélioré moi. On a 7000 résidents. Ah, les poubelles ça commence à être chaud. Va falloir que j'investisse dans la poubelle. Faire un centre recyclage, on va faire ça. Le vent va par là. Bah c'est, écoutez hein. Enfin, notre centre de recyclage ici. Et hop, voilà, directement. Bon, gros investissement. Bon, je suis en déficit. C'est normal, de toute façon, cette ville sera forcément en déficit au bout d'un moment. Mais je gagnerai assez avec bah, les ressources que je produis. Vous voyez que là, c'est quand même assez tendu. Hein. Si je fais plus... Ah, y a quand même des malades. Je comprends pas parce que... Malade quand même. Non, 0 mort par jour, c'est bon. Ok, c'est bon. Ici, faut que j'ajoute des camions. Fermé. Attendez, fermé pourquoi? Oh, pour coupure d'eau, les salauds. Ils m'avaient rien dit. Ah là là, les bougres. Ça là, voilà, comme ça là j'ai de l'eau et ça va repartir. Eh oui, là fermé pour coupure d'eau, ça m'étonne. Bon allez hop, résultat ici je peux foutre des puits. Passer Team Flouze. Oh là là, ça coûte une blinde ça. 16 000. Ah ouais, faudra que j'attende. Bon, bah ça se développe pas mal, mais écoutez, il faudrait que je demande, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, là j'ai emprunté trop, là, j'ai tellement à rembourser, mais vous allez voir qu'avec les ressources, je peux vous dire... Allez, hop, on va augmenter les impôts des riches, mais de toute façon, il n'y en a pas. Ouais, c'est pas grave. C'est... Ah, si, je suis repassé quand même dans le... Si. Bon, ouais, il y a quand même quelques embouteillages... C'est bon. Quelques embouteillages, ouais. Bon, écoutez, on va développer de la zone industrielle un peu partout, de toute façon. Ce qu'il nous en faut. Au pire, on détruira les bâtiments, hein, s'ils sont implantés. Ouais, il nous en faut. Il nous faut plus de... Ah bah ouais, on gagne déjà ça. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi? On va voir. Nous avons des côtés, un port commercial, mais nous ne les exploitons pas. Pouvez-vous jeter un quai de cargo? Oui, je vais faire ça. D'abord, il me faut les moyens. Hein? S'il te plaît. Les poubelles, qu'est-ce que tu veux, toi? Oui, je vais faire du recyclage. Il nous faut plus de camions poubelles. Bah tiens. Camions poubelles. Je te mets plus de camions poubelles. Voilà. Et je vais faire un centre de recyclage. Oh là, j'ai plein de ressources. Ça va être la ville multifonction. Mais ce qui est bien, c'est que, justement, je vais pouvoir produire plein de ressources avec cette ville. Et je vais pouvoir, comme ça, les acheter dans les autres villes également pour beaucoup moins cher et peut-être les exporter sur le marché mondial. Cette ville va fournir à peu près toutes les villes de la région et va se faire un max de thunes. Et ça, c'est intéressant. C'est ça que j'aime bien. Moi, finalement. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Besoin d'eau, déjà, encore? Tu te fous de moi, là, quand même. L'eau. Non, l'eau, c'est limite. Ah là, moi, je... Au château d'eau, hein. Exclu château d'eau, les gars. Le truc est toujours fermé pour coupure d'eau.
Voilà, plus je produis des... Ah ouais, mais plus j'ai des entreprises, c'est vrai, plus il me faut des zones commerciales. Il va falloir que je fasse une ville exclusivement commerciale. Vraiment avec du commerce riche. Mais très riche. Bon, vous voyez que là, la densité se développe. Ça, c'est vraiment bien. On est à 11 000, je peux déjà améliorer. Non, je peux pas encore améliorer. On a oublié de mettre le panneau, le four. Ah, je peux mettre la maison du maire. Mettre là la maison du maire. Voilà, comme ça, ça satisfait tout le monde. Super, j'ai la maison du maire. Par contre, je lui mettrai pas son palais royal là. Les gars, on va se calmer déjà. Il y a du minerai. J'ai bien dit d'exporter. Oui, rassurez-moi. Exporter, ouais. Faudrait que je rajoute des camions. Ça, je pourrais le vendre à terme. Là, j'ai des marchandises. Je vais pouvoir faire un quai. 15 mois d'extraction, d'accord. Ouais, intéressant. Là, je peux rajouter. Éventuellement. Ah voilà, parce que pour une... Voilà, t'es en activité. Attends, je vais te rajouter des camions aussi. Voilà, comme ça. Ça partira plus vite. Et là, je vais pouvoir améliorer mon siège métal. Ok, j'ai une gare. Oh, c'est super. Là, ça commence vraiment à me plaire. Je m'épanouis dans ce jeu. J'adore y jouer. Je sais pas si ça se ressent, mais... Oh là là, franchement, je trouve qu'il est bien, ce jeu. Même si... Il est critiquable sur de nombreux points, je suis d'accord. Mais je m'amuse quand même. Enfin, je veux dire, c'est un jeu vidéo, ça divertit, c'est fait pour ça. Moi, je m'éclate dessus. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Résultat, j'ai oublié. Qu'est-ce que je faisais? J'étais dans mon élan là, je ne sais plus ce que je faisais. Qu'est-ce que je faisais? Projet archéologie, voilà. Donc 1 million, non, c'est pas encore ça. Poubelle. Non, je vais pas proposer encore. Ambulance, non, pour l'instant. Pour le CD, un problème de santé. Proposez vos véhicules. Ah ouais, je vais. On va en proposer. Allez hop, je propose un véhicule à Port City, ouais, qu'il y a des. À Port City. À Poor City, qui a des problèmes de maladie et d'électricité. Effectivement, il va falloir que je... Besoin d'électricité. Besoin de pétrole. Bon, ouais, bon, c'est pas... Faut que ça s'actualise. Ben voilà. C'est bon. Normalement, là, j'ai proposé des ambulances. Voilà, c'est bon. Non, c'est bon, ok, parfait. On peut revenir sur la ville, autant pour moi. Ah, il y a un problème de police. Bon, écoutez, on va aussi gérer la police nous-mêmes. Hein. Allez, on va pas se faire chier. Hein. Voilà, processus d'embauche. Il me faut juste les petits... Je vais rester là-dessus, sur les petits commissariats. Voilà, allez, hop, on fout ça. Vous allez être contents. 4 bagnoles de police. Non, 6. Voilà, vous avez de quoi faire. J'ai plus d'argent. Et vous réglerez la criminalité, les gars. Bon, ici, ça augmente pas énormément. C'est par jour. Je vais voir combien coûte la centrale. 110 000. Ouais. Il me faudrait de l'argent. Mais le problème, c'est que j'économise pour l'archéologie. Oh, c'est génial. Ça se construit. Parfait, ça, c'est parfait. Regardez-moi ça. Ça fait une vraie ville industrielle. Vous savez, comme les villes anglaises du style Liverpool. Voilà, Liverpool, c'est un très bon exemple. Vous voyez, avec ces immeubles comme ça, c'est... Bon, là, ça fait très américain, évidemment, comme bâtiment, mais... je trouve, ouais, que ça fait... nous faisons de gros bénéfices avant... Ouais. Ouais. Bah, pourquoi vous vous barrez, alors? Attendez, ça veut dire qu'il manque des arbres. Il faut des arbres. Pour éviter la pollution. On va rajouter des arbres. Voilà. Ça leur fera plaisir. Pour réduire la pollution, rien de tel que des végétaux. Ça marche. Voilà.
Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé, mais... Mais c'est pas mal. Alors, 120 par jour. Est-ce qu'ici, on est monté? 33, c'est tout? Ouais, tu peux faire mieux, Jean-Guy, là. Ah, voilà, ça augmente. Bon, ici, j'ai pas augmenté, hein, niveau profit, encore. Ça, j'espère que ça part, hein. Il faudrait que j'ajoute d'autres véhicules. Paf. Voilà. Ok, bon. Alors. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, 15 000 résidents. Gna, gna, gna. Si ça se détruit, gna, gna, gna. Ouais, mais c'est bon. En termes d'eau, est-ce qu'on est bon? En termes d'électricité, est-ce qu'on est bon? On est pile. C'est vrai que... Ah oui! Ah oui, mais c'est vrai, par contre, les eaux usées, tac, on envoie là-bas. Mais ici, ça augmente toujours pas, hein. Ouais, bon. Éventuellement, on va essayer d'aller sur... Putain, il est déjà 30! Allez, on va faire 10 minutes de plus, j'adore. J'adore ce jeu, j'adore. On va se rendre sur... Petrol Town! On va voir les besoins. On va voir... Si on peut améliorer la situation, on va voir les fonds. Au pire, ah bon, on est à 300. On peut essayer de gagner de l'argent et commencer le projet. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Est-ce que j'ai la possibilité de. Ouais, alors j'ai la possibilité de faire un prêt de 300 000. On va essayer de gagner un peu d'argent. Éventuellement. Bah comme ça, ça va nous permettre de jouer un petit peu sur Petrol Town. Oh, Petrol Town qui est magnifique. Petrol Town qui a besoin de pétrole brut apparemment, alors que je produis énormément. Et on a des buildings ici, hein. On a de gros buildings. C'est pas mal aussi ça, niveau ville industrielle. Bon, ça je sais pas ce que tu veux encore. Il est complètement bugué. Non, un port commercial. Oui, oui, mais d'accord, mais ça du coup maintenant je sais ce que c'est qu'un port commercial. Je vais le faire, je vais pas me faire couiller. Je vais virer ce truc et je vais foutre un vrai port commercial. Quelque part. Bah, quoique j'ai pas la place en fait. histoire vraiment d'avoir plus de capacité de pouvoir exporter plus et de me faire beaucoup plus d'argent quoi. Mais le problème c'est que j'ai plus vraiment de place. Mais ici ils sont malades alors que j'ai construit un grand hôpital de fou. Moins 400 par heure. Allez hop. Je vais péter. Plus d'ambulance. Ah, mine de rien, ça met du temps, hein. Ça met du temps à se vendre. Là, tu peux vendre. Ouais, il y a du mazout. Niveau plastique, est-ce qu'on s'en sort bien aussi? Ouais, le plastique, c'est bien, hein. Et on n'a pas assez de camions, là. Il faut plus de camions. Je peux rajouter encore. Ah, il n'y a plus la place. Combien de mois d'extraction encore? 5 mois d'extraction. Voyons voir. Ah ouais, mais non, mais 5 mois d'extraction ici. Après, la nappe, elle est énorme. Il y a tout ça à pomper. Il y a cette énorme nappe, il y a tout ce pétrole, tout cet argent. Non, il me reste vraiment beaucoup de temps. Hein. Ah, le problème, c'est que j'ai construit tout ici, quoi. Je suis vraiment stupide. Va falloir que je déplace. Ah ouais. C'est problématique tout ça. Mais du coup si je... Ouais j'ai assez. Allez hop. Tac tac tac, vous êtes prêts? Hop, accepté. Hop, accepté. Bon, je creuse mon déficit d'une force. Ah mais non, je suis stupide. Non, j'ai pas assez. Oh mais quel idiot. Oh, là, par contre, je perds vraiment beaucoup d'argent. Bon. ouais, j'ai fait un peu l'idiot là. Attendez, ça c'est quoi? Non, c'est bon. J'ai zéro win. Non, il faut que je gagne plus d'argent. Je peux pas lancer le projet là. Je perds pas mal, mais normalement je suis censé gagner beaucoup. Ah! Et mince! Ouais, pour le projet archéologie, il faut que. Faut laisser tourner la ville. Hein. Faut gagner. Il faut.
Mais ici, je comprends pas le mazout y aller, hein, stocker le mazout, hein, les gars. Parce que le mazout... Ou alors ça part très vite. Attendez, c'est quoi ça? Livraison locale de mazout. Je sais pas ce que c'est, livraison locale. Bref, je sais que ça part. Ouais, non, je parle pas beaucoup là, mais j'essaie de comprendre des trucs. On va laisser tourner la ville un petit peu. Je sais que c'est pas super intéressant. On est bientôt à 35 minutes. On va essayer de faire 45 minutes. Ouais, ça va être encore une chier pour upload ça, mais vous inquiétez pas. Je gère. Ici, 6 mois d'extraction. Attendez, du coup, j'ai... Non, c'est ça, pardon. Si ça... Ouais, c'est bien ça. Je sais pas ce qu'ils foutent les camions là, mais... Pourquoi vous... Ouais, bon. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais point. Ici, ouais, 330 000. Ah, j'ai pas assez, mine de rien. J'ai pas assez, il me faut encore. Il faudrait un cadeau, là. Il faudrait un cadeau. Bah, hey, ce qu'on va faire, c'est simple. On va aller charger celle-là, qui a 330 000. Pour CD, et je vais envoyer un gros cadeau à Petrol Town, et on va lancer le projet Arcologie qui va être le premier grand grand travaux de la série. On est, je ne sais pas quel épisode. Et, ah, bah voilà, la demande industrielle a complètement baissé. Vous avez vu, il n'y a plus rien. Et voilà, super ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est magique. Ah, cette ville se développe bien. J'aime. Ici, il va falloir que je. Oh, je vais bientôt pouvoir l'améliorer. Et le développement est bientôt terminé. Bon, alors, comment on fait un cadeau? Alors, la population est très heureuse en plus. Alors, pour faire un cadeau, c'est très simple. Alors, effectivement, je ne suis jamais posé la question. ah, si, c'est là. Cadeau. Ah ouais, je peux même envoyer des ressources en cadeau. Ah, c'est bien ça. Des téléviseurs. Mais les téléviseurs, comment on fait des téléviseurs? Téléviseur, je vois pas. Si vous avez une idée, téléviseur, je ne sais pas ce que c'est les téléviseurs. C'est les marchandises, vous croyez? Ou c'est carrément une ressource? Parce que quand on va dans spécialisation, on sait ici. Vous avez usine de processeurs. Aujourd'hui, les processeurs sont partout. Ça va être les vôtres. Tu sais, la lèche, j'ai passé pour les processeurs que vous vendrez sur le marché. Vous pouvez les acheter, la lèche, j'ai passé. Yeah! 2000 caisses par jour, ouais. Transformer les processeurs high-tech en téléviseurs. Ah ouais, va falloir produire des téléviseurs. Ah ouais. Bon ben voilà, j'ai trouvé. En gros, on va dire que Tarantule, enfin, on trouvera un nom, sera en fait seront les Chinois un petit peu de Sunbelt. Carrément, hein, ils vont tout produire, les téléviseurs et tout. Ah, il va me falloir 1 million de... Ah, il va me falloir 1000 caisses, je crois, en plus. Et en tout cas, on a un solde de 1 226 000. Là, c'est cool. Je vais envoyer un cadeau. Putain, je gagne 12 000 par heure. C'est fabuleux. Oui, alors, cadeau. Simflows. Tac. Et on va envoyer... Ah non, non, non. Ouais, on va envoyer... 200 000. Voilà, 200 000. Envoyé. Paf. Boum. Ça m'a directement retiré de mon compte. Bon, ça met un peu de temps. Hein. Ça passe par camion. Bon, de toute façon, j'ai les moyens sur cette ville. Si vous m'envoyez un cadeau à Petrol Town. Maintenant, on va charger Petrol Town pour recevoir le cadeau, lancer le projet Arcologie. Et on va se rendre, va falloir que je rembourse tous mes crédits sur Tarantule et commencer à produire des téléviseurs et des processeurs. Va falloir que... Oh, ça, c'est une grosse machine. Va falloir que tout se mette en place. Ah, voilà, 1 million. Alors, tac, une fois qu'on est, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On va ici et là, on lance le projet Arcologie. Quoique, attendez. Est-ce que c'est pas mieux de le faire ici? J'ai que deux grands travaux. Je vous ai dit... Mince, comment... Oui, ça a bugué. Ouais, on va le faire là. Donc, je pense faire Arcologie et pourquoi pas Centre Spatial ou Aéroport International. Ça, franchement, non. Juste les deux, là. Voilà, allez, construisez. Donc, site de chantier. J'ai jamais fait ça.
L'ombre du crise budgétaire plane. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, je gagne largement assez d'argent avec le pétrole. Site de chantier, demande en cours de traitement. Cela peut prendre quelques minutes, nous vous avertirons lorsqu'elle sera validée. Ah, j'avais jamais fait ça. Permis de construire envoyé. Super, réduction de la paperasserie. Ah, c'est fun, j'avais jamais fait ça. On va voir ce que ça donne. Alors, je sais absolument pas. Alors, apparemment, ça met quelques minutes. Voilà, donc il y a plusieurs phases. Il y a phase 1, phase 2. Et hop, waouh, un magnifique truc. Donc, alors. Phase 1, engagez-vous à fournir des ressources au chantier. Donc, pour l'instant, j'ai rien. A besoin de ressources. Téléviseur, alliage, métal. Métal, on va en produire. Bah, déjà, je vais produire tout avec Tarantule. Pour l'instant. Ça, c'est sûr. Je vais tout produire. Et pour ça, bah, va falloir s'organiser un minimum. Alors, on va aller sur Tarantule. Et puis on va finir cet épisode et j'ai hâte de faire le prochain, croyez-moi. Alors, je vous le dis, on m'a demandé dans les commentaires, non, je n'arrête surtout pas Prison Architect, j'attends juste qu'il y ait quelques mises à jour. J'attends un peu, voilà, que ça se développe, que le jeu se mette à jour, qu'il y ait de grosses nouveautés. Et puis là, on pourra reprendre une grosse saison et... Non, non, je n'ai pas arrêté. Faut que je fasse une vidéo de l'autre aussi, mais là, je suis à fond dans SimCity, c'est pour ça que je vous fais pas mal de SimCity et ça marche pas mal. Donc, écoutez, moi, je continue, hein, si ça marche. Autant continuer. Bon, c'est parfait. Je suis ici. Ouais, j'ai pas. Bon, alors, comment on va se débrouiller? Il faut une fonderie. Le problème, c'est qu'une fonderie. Il me faut un siège métal. Siège métal. Siège métal, il est là. Attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Ah, division fonderie. Non, il me faut une division fonderie. Sauf que, ouais, les profits, c'est assez chaud là. J'en fais pas beaucoup. Et là, il me faut quoi? Division commerce, un siège métal. Division métal sur un siège commerce. Ah oui, attendez. Attendez, on va retourner sur Petrol Town. Il faut juste que je vérifie un truc au niveau du siège commerce. Parce qu'il faut que je fasse un siège métal. Mais il me semble qu'il est déjà, que j'ai déjà construit le siège. Ah non, j'ai peut-être fait le siège pétrole. Ah ouais. Attendez. J'ai fait quoi là? Ah oui, division pétrole, effectivement. Les divisions pétrole, ça me fait quoi? Accès local accordé, port commercial, lieu de stockage de pétrole brut, mazout, plastique. Ouais, mais le problème là, c'est que pour l'instant, j'ai pas... Bah écoutez, pour l'instant, c'est pas très utile. On va le détruire. Il me faut la division... De toute façon, il me faudra division métal. Oh, mais le siège commerce, au pire, je le déplacerai. Hein. Ah ouais, je le mais ça coûte trop cher. Ah oh là là. Je sais pas pourquoi je l'ai détruit, c'était une erreur. Il me faut 200 000. Il faut 200 000. Ah oh là 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 là. 200 000. Bah écoutez, on va redemander un petit cadeau. Ah ouais, là c'est la mort. Bah, j'ai détruit mon siège. Bah du coup, en fait, non. Je suis stupide. Bah là, ce que je vais faire, en fait, le siège métal, j'en ferai un autre. Enfin, le siège commerce, j'en ferai un autre à Tarantule, un vrai, avec toutes les extensions. Et dans celui-ci, je vais juste bon, je vais repayer. C'est stupide ce que j'ai fait pour le pétrole brut et le port commercial. Bref, pour débloquer tous les bonus. Mais là il me faut juste un siège métal. Et vu que j'ai pas de quoi faire le siège commerce pour l'instant dans Tarantule. Là ça vaut que 200 000, écoutez ce qu'on fait. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Puis après on va cesser là dessus parce que sinon ça va durer 30 ans. Allez, on va refaire un cadeau. Ah, oh, on est sympa. Oh là 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 là, ça s'annonce. On a du boulot les gars, on a du boulot pour faire tourner cette région hein. Pour développer ça, ici c'est toujours pas développé. Non, gna 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 gna. Alors les cadeaux, c'est ici, je me dépêche. Hop. 100 000, allez hop, t'envoies 100 000. Tac, cadeau, 100 000. Paf. C'est parti. Maintenant, on recharge et on attend les fonds bien tranquillement posés chez nous. Et on construit le siège métal, comme ça, à Tarantule. Ce sera nickel, bah, c'est pas encore arrivé. Attendez, hop, on va passer le temps vite. Je me prépare à recevoir le petit cadeau. Le petit cadeau, ouais il est arrivé. Allez, 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 une petite exportation. Je mets le siège métal.
Allez, le siège métal, les gars, là. Allez! Voilà. Comment ça nous a prouvé? Améliorer le siège. Oh, je me suis fait rouler! J'ai des... Putain, alors là, j'ai payé... 100... J'ai mis 400 000 simflous dans le vent. J'avais le division pétrole. Je l'ai enlevé. Il faut que j'attende maintenant de faire 2 millions de profits. Ah, je me suis fait rouler, là. Bon, bah, c'était une grosse erreur. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Je reconstruirai dès que j'aurai les moyens le siège pétrole. Je vais refaire un siège commerce à Tarentule. Un vrai, parce que là... Ah, il est 45 minutes. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Là, c'est ma faute. Je viens de me faire rouler, enfin c'est complètement amélioré. C'est complètement de ma faute, il faut combien pour faire un siège commerce? Placer 3 lieux de stockage différents, 2 jusqu'ici. Ah. Bah écoutez ce qu'on va faire. Pour les besoins. On va mettre n'importe quoi. Voilà, comme ça, ils vont m'approuver le truc. Je le construis. Ah ouais, je vais le mettre là, quoi. Ah non, non, attendez, quoique, on va mettre une route. On va la foutre là. On va le mettre là. Ah, quoique, attendez, c'est un manque de place, ça. Ah non, non, c'est moisi en fait. Alors, où vais-je le placer? Bon, allez, ici, hop. Voilà, c'est la meilleure place. Et là, la classe, mon siège commerce. Voilà, donc là, j'ai un siège commerce. Résultat, ici, je peux détruire, je m'en fous. Non, attends, non. Bon, j'ai pété une maison, c'est pas grave. Vous m'excuserez. Je vends ça, je remets charbon minerai. Allez, hop. Voilà. Et comment rouler le jeu? Donc, il faut que j'améliore le siège. C'est quoi, ça? Voilà, j'ai la pancarte. Siège commercial, ok. Je commence à faire du profit. Bah, bon, allez, faut qu'on se laisse là parce que ça va faire 50 minutes. C'est beaucoup trop, les amis. C'est beaucoup trop. Et c'est. Non, je peux pas. Il faut. Il faut le... ouais, la division métal. Il faut que je gagne de l'argent. Bah, de toute façon, il va falloir que je laisse tourner la ville. Enfin, le jeu pour gagner des fonds. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me motive pour continuer cette série parce que déjà, moi, j'adore. Et puis, j'ai vraiment envie de jouer, donc là je vais vraiment faire pas mal de SimCity pendant un moment. Voilà, donc comme j'ai dit, laissez un j'aime, un petit commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut à tous.